Coucou. Aujourd'hui, je vous prends pour une petite recette. Donc, si vous vous souvenez, si vous me suivez, Kenzo m'avait demandé de la viande farcie aux pâtes. Écoutez, je ne savais pas trop quoi faire. Sa petite demande était compliquée. Et Guigui m'a donné l'idée, en fait, dans une de ses vidéos. Voilà. Après, il y a aussi Mamie Isa Anderson qui m'a donné des petites idées. Merci beaucoup à toi. Mais j'ai fait le plus simple que je puisse trouver. Et bah écoutez, on verra bien si ça lui plaît. Hein. Après, moi et la cuisine, vous savez que. Voilà. Je viens de faire cuire 500 grammes de nouilles. Ah, j'avais des nouilles. Donc là, j'ai fait tout cuire cette fois-ci. Hein. Parce que c'est pour 5 personnes. Ah, 6 en fin de compte. Là, il y a mon gros plat. C'est en plein. Je suis en train de mélanger. Hein. Puis il y a une part pour Julie. Julie, je lui ai juste mis un peu d'huile pour pas que ça colle. Mais elle aussi, elle a sa part de pâte. Donc 500 grammes pour 6. On verra. Hein. Écoutez. Bon, la part de Julie, je voulais vous la montrer, mais je vais la mettre de côté maintenant. C'est pas là le sujet de la vidéo. Donc, elles sont encore toutes brûlantes. Hein. Je viens de les faire cuire. Et dedans, j'ai mis un peu, pas tout, de sauce au fromage. Celle que je prends toujours à Auchan. J'ai mis une petite moitié. Surtout bah, pour que ça donne du goût. Et surtout pour pas que ça colle trop, quoi. Donc j'étais en train de mélanger. Ça colle déjà. Hein. Bon, écoutez. Je vais vous baisser un peu. Hein, vous avez pas... C'est la recette qu'il faut voir. Et en plus, je vais me lever pour mélanger. Bon, du coup, voilà. Tant que je continue à mélanger, ouais, je vais ajouter du sel. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis avant. Vu que j'ai fait la part à Julie, à part, hein, elle n'y a rien, il n'y a que un peu d'huile. Voilà. Ensuite, un peu de poivre, quand même. Hein. Bon, mon poivre, il coule fort, mais c'est rien. Après, je vais mélanger. Un peu d'ail en poudre, c'est super bon, ça donne du goût. En plus, il paraît que c'est bon pour la santé. Moi, maintenant que j'en ai racheté, j'en mets partout de l'ail en poudre. C'est trop bon. Et même les enfants, la dernière fois, je leur en avais mis sur leurs frites. Ils m'ont dit, c'est quoi, une épice pour frites? Je lui dis, ouais. Et du coup, je vais mettre un petit peu de curcuma. Hein. Même si je ne suis pas très fan de l'odeur, tout le monde dit que c'est bon pour la santé. Je vais mettre une cuillère à café. Hein. On verra bien. Hop, voilà. Donc. Je vais mélanger tout ça. Ah, j'en ai fait beaucoup, hein, mais bon, vous allez voir après par rapport à ma recette. Il y en aura dans la viande et il y en aura à côté. Mais c'est pas très pratique à mélanger quand il y en a trop, bien évidemment. Sinon, j'espère que vous allez bien. Là, on est vendredi entre les midis. C'est pour dimanche. Mais je vais mettre au frigo, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Ça colle un peu quand même, hein. Pourtant, elles sont encore chaudes, hein. Mais c'est pas grave. Je mélange bien et je vous reprends. J'espère que ça fonctionne. Bon, voilà, ça m'a l'air assez homogène au niveau des épices. Donc, allons-y. Ah non, ça va faire la buée. J'ai pas beaucoup de place, hein. Sinon, ça va faire la buée sur le téléphone. On me voit un tout petit peu quand même. Voilà. Donc, allons-y. Gaiement. Jambon. Citroche. Ça va, il est à peu près correct. Hein. Je vais pas commencer à m'enlever les petits bouts bizarres parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors,
On prend une tranche. Je vais faire la même chose fois bah, 6 en fait. Donc. Je suis un peu en plus. Bon, ça vous verrez dans mon vlog, mais. Voilà. Il m'est encore arrivé quelque chose aujourd'hui. Pour pas changer. Mais vous l'aurez déjà vu du coup. Ce qui vient encore de m'arriver. Et c'est pourquoi j'ai un petit peu la tête ailleurs. Bon. Est-ce qu'on peut avoir un cadrage correct? Alors. On va y arriver. Donc, la petite pince. Je vais prendre des pâtes. J'espère que j'ai bien mélangé. Dans quel sens? Comme ça. Je vais essayer. Je vais prendre des pâtes que je vais mettre dans le jambon. En fait, je vais faire une espèce de wrap aux pâtes. J'espère que ça lui plaira à Kenzo parce que bon, j'ai essayé de trouver une recette pour lui. Oula, bon, heureusement j'ai prévu le petit sopalin. Bon, le jambon c'est un peu plus. Voilà, regardez. Bon, je vais pas le fermer ou quoi parce que. Bon alors, en fait, ça fait une espèce de wrap jambon et dedans il y a des pâtes. Donc, j'ai préparé tout mon petit attirail. Mais vous savez que c'est très 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 petit chez moi et que ma table est aussi très très petite. Il faut que vous y voyez quelque chose. Donc, ah bah oui, bah ça. Ah non, non, on va y arriver. Une. Appuyez dessus, ça va tenir. Donc, je vais faire ça bah, 6 fois. Et dès que j'en suis à la dernière, bah, je vous reprends parce que sinon ça va être répétitif. À tout de suite. Voilà. Bon. J'ai fait. Donc là, j'en ai mis 4. Voilà. Un plus comme d'habitude pour leur père et un pour moi ce soir du coup qui avait 6 tranches. On est vendredi, ils arrivent demain. Alors maintenant, attendez hein, parce que je suis un peu perdue. Et il me reste tout ça de pâte, hein, attention. Hein. Donc je ne sais pas encore si je vais mettre les pâtes avec. Bon déjà, là, je vais commencer par, voilà, en fait je vais badigeonner. Avec oui bon il y a des pâtes dessus c'est pas grave je vais badigeonner les jambons farcis aux pâtes avec la sauce au fromage. Après la sauce au fromage elle est un peu plus compacte que quand je mets de la béchamel ou quoi mais bon écoutez je vous dis j'essaye hein. Là je suis en train d'essayer mais vraiment avec vous j'ai jamais fait. Je voudrais faire plaisir à Kenzo. Donc, j'essaye. Ouf, il va sourire. J'aurais peut-être dû prendre une autre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais finir le pot. Donc. Vous voyez bien? Ouais. Vous voyez, je fais une espèce de. C'est comme une béchamel, sauf qu'en fait, c'est de la sauce au fromage que je mets dessus, hein, tout simplement. Après, là, il me restait la moitié d'un pot. Et ça va sûrement, probablement se décomposer dans les assiettes. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Hein. On fait ce qu'on peut. Surtout moi. Déjà, j'ai un jambon qui se décompose. Je mets tout. Ah non, attendez. Parce que là, bon, là, c'est. Vous voyez, c'est plein. J'ai pas fini, hein. Mais au niveau des pâtes, je vais en mettre sur le côté. Je
pour leur père et un peu pour moi ce soir. Puis en plus, celles-là, je pourrais pas les donner à Julie, étant donné que je les ai épicées. Mais bon, elle a ce qu'il faut. Jamais j'oublie ma Juju. Jamais, jamais. Oh, moi, il m'en faut pas beaucoup. Moi. Après, vous savez, je vais le passer au four comme ça, directement dans l'assiette. L'assiette, elle passe au four et il n'y a pas de souci. Alors, peut-être... Je regarde ce que je peux faire. J'espère que ça vous plaît quand même. Hein. J'essaye. Vous savez que, voilà, moi j'ai des difficultés, mais j'essaye quand même. Hein. Parce que j'ai envie de faire plaisir en tout premier lieu à mes enfants. Voilà. Et après, si je peux faire des parts en plus, bah, tant mieux, hein. Hop. Bon, il reste un fin fond, je ne sais pas trop où je vais le mettre, mais c'est vraiment un fond. Voilà, donc, j'espère que vous voyez, hein. Oui, ça serait dommage. Alors, ben maintenant, tout simplement, bon, là, pour là et pour là, j'ai mis les pâtes avec. Mais là, je ne peux pas les mettre, je les ferai à part, je pense. Donc, ouais, je pense. Je vais les garder dans un plat à part, mais je ne les passerai pas au four, je les ferai réchauffer et je les mettrai avec. Ce sera mieux. De toute façon, vous verrez dans les petites assiettes, c'est pour dimanche soir. Donc, bah, maintenant, je vais parsemer de gruyère. Alors, j'en ai un entamé, j'en ai un nouveau aussi. Je ne sais pas s'il est encore bon. On ne va pas gaspiller s'il est encore bon. Je ne vois rien. Ouais, il est encore bon, il n'y a pas de souci. Donc, oh, vous n'allez rien voir. Hein. Je sais, ça penche. Mais là, j'ai les mains. Puis, il faut que j'arrive à tout. Donc, je vais en mettre dessus. Hein. Voilà. J'espère que ça va plaire à mon zozo. Je me lève. Hein. C'est un peu fouillon, comme d'habitude. Hein, mais les vidéos... Enfin, si, elles étaient prévues. Mais j'avais pas tout calculé... dans ma tête au niveau du repas. Voilà, donc on parsème, hein, comme un gratin, tout simplement. Bien évidemment, je n'ai pas pris de ciseaux pour il est où mon sopalin pour ouvrir le paquet de gruyère. J'arrive. Voilà, c'est ouvert, donc allez. On va pas lésiner sur le gruyère, hein. Ils aiment bien. Ouais, je pense que ça va se décomposer un peu dans les assiettes, mais bon, écoutez, c'est un test. Moi, je vais goûter ce soir, mais bon, on vous donnera le verdict quand on en aura tous mangé. Je vais fermer après. Bah écoutez, voilà, hein. C'est fait. Tout simplement. Donc, voilà, des roulés de jambon farci aux pâtes. Voilà. Avec à côté, bah, des pâtes. En plus, ça change. Et je vous dis, là, ça, bah, ça sera pour manger ça avec ça. Je les ferai cuire à côté, quoi. Ça, je passerai au four, allez... Un petit quart d'heure pour faire fondre et faire réchauffer. Voilà. Alors. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Vous aurez le rendu dans notre vlog vacances. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Vous savez que voilà, moi je suis pas très douée en cuisine. Je le fais pour faire plaisir. Donc, c'est pas la peine de dire c'est du n'importe quoi, gna gna. Hein. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore et à très, très, très vite.